Un jour, après la défaite de Lord Arcanon, Sledge va aller voir à bord de son vaisseau, mais maintenant il est toujours cassé, mais il ne faut pour la réparation de l'énergie obscure. Mais maintenant il vient de le dire. Et Poisandra est en colère. Il raconte. Depuis que le vaisseau est en feu. Des œufs. Et qu'il. Comme je devais en toute discrétion mettre les pions en place à travers le monde entier, j'ai allumé mon vieux jetpack avant de décoller telle une fusée. Une fois terminé, je suis revenu immédiatement pour m'assurer que tu allais bien. Tous les soirs dans mon lit, je me mettais à pleurer en pensant à toi. Et pendant ce temps, monsieur était en train de s'amuser. Pas du tout, ma chérie. Bien au contraire. Mon séjour à Hawaï a tourné au cauchemar. Une photo d'Hawaï. En Chine, je t'en parle même pas. En Chine. Quant au Japon, je peux te dire que j'ai déchanté très vite. Super, les mains en l'air, le Japon, j'ai peur. Non, je suis sérieuse. Wrench, dans quel état sont les piles à combustible du vaisseau? Hélas, en mettant le vaisseau à l'abri du regard des Rangers, on a consommé le peu d'énergie qui reste. Il faut pourtant qu'on le refasse. Mais un jour, un humain a vu une monstre. Si on a besoin d'énergie, c'est ce qu'il nous faut. Ah, tant mieux. J'avais raison de te faire confiance, Nine. Notre plan est enfin opérationnel. Et grâce à l'énergie obscure, nous allons pouvoir le mettre en pratique. Je crois, il a tout entendu.